Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser le corps de Marcus, donc la deuxième partie de ce pâte patrouille. Donc, vous avez été nombreux à beaucoup aimer cette première partie, donc la tête. Je tiens à dire donc que ce Marcus, en réalité, c'était un petit cadeau pour le crochet de plume pour son fils, voilà, pour la remercier de tout ce qu'elle m'a apporté, de son aide, de ses participations. Elle partage beaucoup de choses pour moi et elle répond à beaucoup de mes questions, voilà. Donc j'avais voulu lui faire ça pour son fils, pour la remercier. Et au final, vous avez été super nombreux à aimer. J'ai eu énormément de vues. Et du coup, eh bien, sûrement que j'en ferai plein d'autres. Alors, pour faire ce petit Marcus, nous avons donc le corps en fait de Marcus. Nous avons besoin de blanc, de rouge, de jaune, de noir et un peu de gris. Ces pelotes, c'est du taille 3, donc je vais crocheter avec un crochet 2,5. Vous aurez également besoin d'une aiguille, d'un marqueur, d'une paire de ciseaux et beaucoup de watts. Voilà, donc sur ce, on peut commencer ce tutoriel. Alors, pour le corps, on va commencer avec le fil rouge, donc pour le gilet. On fait un cercle magique. À l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais répéter, ce sera une maille serrée, une augmentation. 18 et à la fin j'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé, j'ai mes 36 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. 3, 4 et 5. Et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Et le rang d'après, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 20 tours. Donc 20 fois 60 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 20 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour de 60 mailles serrées toujours, mais seulement sur le brin avant. Donc voilà, je vais faire un tour en entier seulement sur le brin avant. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur le brin avant. Donc vous voyez ici la maille qui n'a pas, enfin le brin qui n'a pas été travaillé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 60 mailles serrées. Donc encore un rang de mailles serrées. Mais cette fois sur les deux brins. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais faire une maille coulée.
Je ne garde pas de fil parce que je ne vais pas coudre et je vais couper. Alors, maintenant que nous avons fini la partie rouge, on vient prendre notre fil blanc. Je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais venir me rattacher donc au brin que nous n'avons pas travaillé, qu'on a laissé en attente. Ici. Et on va faire un tour en maille serrée sur ce rang-là, donc que sur le brin en attente. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, je vais dans la première maille, je continue en maille serrée. Et au total, je vais faire 5 tours de mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 9 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. À la fin, j'obtiendrai 66 mailles. J'ai terminé mon rang, j'ai mes 66 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 10 mailles serrées. 4, 5 et 10 et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 72 mailles. Ces 72 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 4 tours et on se retrouve à la fin. J'ai terminé mon rang d'augmentation, j'ai mis 72 mailles. Maintenant, ces 72 mailles, je vais les faire en maille serrée pendant 4 tours. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je ferai 9 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 60 mailles. Le rang suivant, je ferai 8 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 54 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 7 mailles serrées. 3, 4, 5. Et 7 et une diminution. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, je ferai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai terminé mes rangs de diminution, donc comme vous voyez, je suis venue ouater mon corps. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je vais répéter, ça va être 3 mailles serrées. 2 et 3 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Et le rang suivant, je ferai 1 maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, on fera 6 diminutions et on obtiendra 6 mailles. Voilà, j'ai terminé tous mes rangs de diminution. J'ai fait mes 6 diminutions. Maintenant, je suis venue prendre une aiguille. Et je vais passer en fait dans toutes mes mailles, donc dans mes 6 mailles, comme ceci, pour pouvoir refermer donc
ce petit trou. Voilà, donc maintenant je serre bien et vous voyez, ça s'est bien refermé. Je vais faire un petit nœud. Voilà, et je viens cacher donc mon fil à l'intérieur du corps. Et vous voyez, hop, je tire un peu et c'est parfait. Alors maintenant, nous allons faire la queue de Marcus. Pour ça, on va faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 2. 3. Oups. 4. 5. Et 6. Je serre. Et maintenant, ces 6 mailles serrées, je vais les faire, ces 6 mailles, pardon, je vais les faire en mailles serrées. Donc un tour de 6 mailles serrées. 1. 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais faire un tour seulement d'augmentation, donc 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme bien notre cercle. Et maintenant, ces 12 mailles que j'ai obtenues, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 12 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est deux diminutions. Donc, 1 et 2. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Hop, ma maille n'est pas passée. Et ensuite, je vais faire 2 augmentations. 1, 2 et de nouveau 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà. Nous obtenons toujours 12 mailles. Maintenant, ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Et on se retrouve après. J'ai terminé mon tour de 12 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 18 mailles serrées et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Maintenant, je vais venir faire donc le collier en jaune de Marcus. Donc pour ça, je vais faire 31 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. 5 et 31 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir sauter la première maille ici et je vais venir dans la deuxième et je vais faire 30 mailles serrées. 2, 3, 4, et 30. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et je refais 30 mailles serrées.
et 30. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je garde du fil pour la couture et je coupe. Et nous avons terminé le collier. Maintenant, on va passer donc au sac de Marcus. Pour ça, on va venir faire 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 26. Maintenant, je saute la première maille, je vais dans la deuxième. Et je vais faire 24 mailles serrées. Et 24. Dans la dernière maille, je vais faire 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Maintenant, nous allons travailler de l'autre côté de notre maille chaînette. Et nous allons faire 22 mailles serrées. Et 22, et dans la dernière maille, je vais venir faire une augmentation. À la fin de ce rang, j'obtiens donc 52 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est dans la première maille, une augmentation. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 23 mailles serrées. Dans la prochaine, je fais une augmentation, 2 mailles serrées. Et dans la prochaine, je refais une augmentation. Et ensuite, je refais une, 2, 3, 4, 5 et 23 mailles serrées. Ensuite, je refais une augmentation et je termine par 2 mailles serrées. Voilà ce que ça nous donne. Donc, à la fin de ce rang, j'ai obtenu 56 mailles. Ces 56 mailles, je vais les faire en mailles serrées, seulement sur le brin arrière. Donc, je vais faire un tour seulement sur le brin arrière. J'ai terminé mon rang de mailles serrées seulement sur un brin. Maintenant, donc j'ai toujours nos 56 mailles serrées. Je vais les faire donc toujours en mailles serrées pendant 15 tours. Donc 15 fois 56 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, ce que je vais faire donc pour ce rang, je vais le faire seulement sur le brin arrière. Donc, juste ici. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 20 mailles serrées. Maintenant, je vais faire une diminution, mais seulement donc sur le brin arrière. Pour ça, je vais venir dans mon brin arrière de la maille suivante. J'attrape mon fil, je le fais ressortir. Je vais dans le brin arrière de ma maille d'après. Je prends mon fil, je le fais ressortir. Je fais un jeté et je passe dans les trois boucles. Donc là, j'ai fait une diminution. Maintenant, je refais deux mailles serrées. Donc toujours sur le brin arrière. Et de nouveau, je vais faire une diminution.
Maintenant, donc, je vais continuer en maïs serré. 1, 2, 3, 4, 5 et 23 mailles serrées. De nouveau, une diminution. Hop. Ensuite, 2 mailles serrées. 1, 2. De nouveau, une diminution. Et je termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. À la fin de ce rang, nous obtenons 52 mailles. Maintenant, on va continuer donc sur la maille en entier. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 19 mailles serrées. Maintenant, on va faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. Et de nouveau, on continue en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 22 mailles serrées. Et maintenant, de nouveau, nous allons faire 3 diminutions. 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, on obtient 46 mailles. Maintenant, je vais faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Pour venir fermer ce sac, alors tout d'abord, je vais venir le ouater. Donc, qu'il fasse bien carré. Et ensuite, donc, on va replier. Vous allez voir, ça va se faire tout seul dès que vous allez un peu appuyer sur votre sac. Les bouts vont se replier tout seul grâce au tour qu'on a fait seulement sur le brin arrière. Et cette partie-là et cette partie-là, nous allons la coudre une fois que nous aurons bien ouaté. Voilà, donc je suis venue ouater. Vous voyez que je n'ai pas énormément ouaté parce que je ne veux pas qu'il y ait un effet trop gonflé. J'ai pris mon aiguille et je vais venir coudre donc maille avec maille. Donc ici, vous voyez que notre fil ressort là. C'est pas grave, je viendrai faire un point tout à l'heure. Voilà, je vais coudre comme ça jusqu'à la fin. Voilà, donc j'ai cousu tout le bord. Et là, vous voyez que du coup, il nous reste des petits trous. Donc tout simplement, je vais venir dans chacune de mes mailles. Bien serré et ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Faut que je trouve le trou. Voilà. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors maintenant nous allons faire donc ce qui se trouve juste sur les côtés du sac de Marcus. C'est des on peut dire des bonbonnières d'eau, on va dire. Donc je fais un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5. Et 6
Je vais serrer légèrement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour. Donc, j'obtiens 12 mailles. Ces 12 mailles, je vais les faire en maille serrée seulement sur le brin arrière et seulement sur ce tour-là. Voilà. Et maintenant, je vais faire donc ces 12 mailles en maille serrée sur la maille en entier. Et je vais faire comme ça 15 tours. Donc 15 fois 12 mailles serrées. Donc sur la maille en entier. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations en prenant seulement le brin arrière. Donc, comme on a vu la dernière fois, voilà, et je vais finir comme ceci. Et j'obtiendrai au final 6 mailles. J'ai terminé. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je vais venir fermer donc le petit trou qu'il y a ici. De la même façon que pour le corps, avec un fil, une aiguille, je vais passer dans toutes mes mailles. Je vais serrer et faire un nœud. Alors, pour la couture de cette partie qui va se placer juste là, j'ai fait passer mon fil une fois que j'avais terminé de refermer mon cercle ici. Je suis venue le faire sortir donc sur un des bords. Et tout simplement, on va venir faire des allers-retours. Donc je pique dans mon petit sac. Je ressors loin de l'autre côté, on va dire, qu'on rentre d'un côté de notre petite bonbonnière et on ressort de l'autre côté. Et ensuite, je vais passer donc de la même façon, mais cette fois-ci dans ma bonbonnière. Ensuite, je repique sur mon sac et je vais venir un peu plus bas. Vous voyez, j'étais sortie là, maintenant je sors ici. Et de nouveau, je vais passer dans ma bonbonnière. Voilà, et je vais venir le coudre de cette façon tout le long. Et pareil pour la deuxième. Qui viendra se placer en face. Alors maintenant nous allons faire le logo qui vient se placer donc sur le collier. C'est comme un petit pendentif. Nous allons faire en fait le même logo qu'il y a sur le casque de Marcus, qui a été fait donc en gris avec un tour blanc, mais cette fois-ci on va le faire rouge avec un tour gris. Donc, je vous remontre comment le faire. On va commencer par deux mailles en l'air. Une,
2. Je saute la première, je viens dans la deuxième, je fais une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Je viens faire deux augmentations. Une. Deux. De nouveau, une maille en l'air, je tourne mon travail, je viens faire une augmentation, deux mailles serrées et une augmentation, ce qui me donne un total de 6 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail, de nouveau une augmentation. 4 mailles serrées et 4, et on termine par une augmentation, ce qui nous fait un total à la fin de ce rang de 8 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail, une augmentation, 6 mailles serrées, 3, 4, 5 et 6. Et on termine de nouveau par une augmentation. Maintenant, nous avons 10 mailles. Ces 10 mailles, nous allons les faire en mailles serrées pendant un seul tour. 3, 4 et 10. Maintenant, pour le rang suivant, je monte une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je fais une augmentation. 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et je termine par une augmentation, ce qui me donne un total à la fin de ce rang de 12 mailles. Une maille en l'air, je tourne mon travail et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur un seul rang. 4. 5 et 12. Maintenant, pour le rang suivant, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et là, je viens faire deux diminutions. 1 Hop, 2. Maintenant, 4 mailles serrées, 2, 3 et 4, et de nouveau 2 diminutions. À la fin de ce rang, j'obtiens 8 mailles. Et ces 8 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 8 mailles serrées. J'ai terminé mes deux tours, on vient prendre notre couleur gris, notre fil de couleur gris. On fait passer dans notre maille, dans notre boucle. On vient faire un nœud pour plus de sécurité. Voilà, on coupe notre fil rouge qui ne nous servira plus. Et maintenant, donc, comme je vous ai dit pour le premier logo, on va continuer ici en maille coulée. Et lorsqu'on arrivera aux pointes, donc ici il y a une petite pointe, on fera une maille en l'air et de nouveau une maille coulée dans la même maille. On arrive à la prochain petit pic, une maille coulée, une maille en l'air, de nouveau une maille coulée dans la même maille. Voilà, je vais faire ça sur tout le rang et on se retrouve une fois que c'est fait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la petite flamme qu'il y a au milieu du pendentif. Donc, pour ça, il vous faudra faire un cercle magique. Vous allez faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1,
2, 3 et 4. On serre légèrement notre cercle. Et maintenant, dans la première maille, on va faire une augmentation. Voilà. On va monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je vais sauter les deux premières mailles en l'air. Donc 1, 2. Dans la dernière, la troisième, je viens faire une maille coulée. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée. De nouveau, je monte 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Ici, je vais sauter les deux premières. 1, 2. Et dans la troisième, je vais faire une maille serrée. Dans la dernière, je viens faire une maille coulée. Dans la maille suivante de nos 4 mailles serrées, je viens faire une maille coulée. Maintenant, je vais refaire 3 mailles en l'air, 2 et 3. Je vais sauter les deux premières et dans la dernière, dans la troisième, je viens faire une maille serrée. Dans la dernière maille de mon rang, je viens faire une maille serrée. Maintenant, ici, je viens faire, dans la maille qui suit, une maille coulée. Et nous avons fini notre petite flamme. Il ne nous reste plus qu'à la coudre sur notre pendentif. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser la pâte. Donc, on commence par un cercle magique. Six mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5 et 6. Je serre légèrement. Maintenant, je viens faire 6 augmentations. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée. Une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je ferai 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je ferai 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je vais faire 3 augmentations, mais en demi-bride, c'est-à-dire que je vais faire un jeté. Je passe dans ma maille, je vais chercher mon fil, j'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles. Et ça, c'est une demi-bride. Donc, je vais en refaire une dans la même maille. Donc, j'en ai fait une augmentation de demi-bride. 2.
3. Ensuite, je fais une maille serrée. Et maintenant, je vais faire 5 augmentations en demi-bride. 1. 2. 3. 4. Et 5. De nouveau, dans la prochaine, je fais une maille serrée. Et maintenant, je refais 3 augmentations en demi-bride. 2 et 3. Donc, vous voyez que ça sera les orteils de la patte. Le reste des mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mes 14 dernières mailles en mailles serrées. À la fin de ce tour, j'obtiens 47 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, je vais faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la prochaine, je fais une maille serrée. Et là, je viens faire 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la prochaine maille, je viens faire une maille serrée. Et maintenant, je recommence, je fais 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de nouveau, je refais 14 mailles serrées. J'ai terminé mes dernières mailles et maintenant j'ai toujours 47 mailles. Maintenant je vais faire 8 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant je vais faire 3 diminutions. 1, 2 et 3, une maille serrée, 5 diminutions, 1, 2, 3, 4 et 5. De nouveau, une maille serrée, pardon, et je fais 3 diminutions. 2 et 3. De nouveau, on termine avec nos 14 mailles serrées. À la fin de ce rang, nous obtenons 36 mailles. J'ai terminé mes mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 11 mailles serrées. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 et 11. Là, je vais faire une diminution. Ici, je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, une diminution.
De nouveau, 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. J'ai terminé mes 10 dernières mailles. Maintenant, ce que je vais faire, alors à la fin de ce rang, désolé, j'ai oublié de vous le dire, nous obtenons donc 33 mailles. Donc pour ce rang, nous allons commencer par 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je vais faire une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. De nouveau, une diminution. 3 mailles serrées. 2 et 3. Et de nouveau, une diminution. Et je termine mes dernières mailles en mailles serrées. J'ai terminé mes 10 dernières mailles. À la fin de ce rang, j'obtiens 30 mailles. Et ces 30 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Donc on va faire 30 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 30 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 8 mailles serrées. 3, 4, 5... 6, 7 et 8 et une diminution. Et le reste des mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 29 mailles. Et ces 29 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 7 mailles serrées. 4, 5, 6 et 7. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 28 mailles. Ces 28 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc 2 fois 28 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et une diminution. Le reste des mailles, comme les rangs suivants, précédents, je vais les faire en mailles serrées. Donc je finis mon tour en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 27 mailles. Et ces 27 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5 et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 26 mailles. Et ces 26 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Donc, 2 fois 26 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 25 mailles. Et ces 25 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées. Maintenant, donc, je vais faire
3 mailles serrées, 3, et une diminution. Le reste de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. À la fin de ce rang, j'obtiens 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Donc 3 fois 24 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je ferai une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, on fera 6 diminutions et on obtiendra 6 mailles. On pourra fermer avec une aiguille, comme on a fait pour le corps, pour bien serrer le dernier rang. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit. Donc là déjà, à la fin de ce rang-là, je vais commencer à ouater quasiment jusque-là. Et arriver à 12 mailles, je finirai de ouater donc le petit, la fin de mon travail. J'ai donc terminé la pâte, je l'ai bien ouatée, vous voyez. Maintenant, il va falloir en faire 3 autres, la même. Et ensuite, on va passer aux coutures. Alors, pour le collier de Marcus, je vais le coudre en premier avant de mettre la tête. Donc pour ça, vous voyez, je suis venue le placer avec mes petits pics pour qu'il tienne bien en place pendant que je couds. Je viens prendre une maille de mon collier, je plante dans mon corps et je ressors à côté. Je vais essayer de coudre le plus rond possible. Et bien évidemment, je vais le mettre au bord de mon corps. Donc, j'ai terminé tout le tour de ma couture et je vais venir terminer en cousant les deux bords de mon collier. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir venir coudre la tête. Alors du coup, je suis venue placer ma tête, j'ai fait quelques points et voilà comment je vais coudre. Donc de la même façon que sur le corps. Avant de finir la couture, je vais venir ouater légèrement donc au milieu. Je garderai une petite ouverture pour ouater et ensuite je terminerai ma couture. Alors maintenant, je vais venir placer, donc coudre ma patte. Donc je vais venir me placer à peu près au milieu du corps quand on regarde de ce côté-là. Et je vais tout d'abord coudre tout le long le bord ici. Voilà, donc je vais coudre bien tout le bout du bras. Donc voilà, j'ai fini donc cette partie-là. Je suis descendue un peu par ici. Et maintenant, je vais faire comme pour les petites bonbonnières. Je vais venir faire des allers-retours. Donc un coup dans le bras, dans le corps, puis dans le bras. Et je vais faire quelques allers-retours comme ceci pour bien le fixer au corps. Alors avec la ouate, c'est un peu difficile. Voilà. J'ai terminé donc les coutures des quatre jambes, voilà.
Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait quelques allers-retours ici. Et ensuite, une fois que les deux paires étaient cousues, j'ai fait quelques allers-retours entre eux, donc en passant par le corps, pour bien venir consolider le tout, que les jambes ne partent pas sur les côtés. Ensuite, j'ai cousu la petite insigne. Donc, j'ai cousu le feu par-dessus le rouge. Et je suis venue broder en fait avec du orange tout autour de la flamme, donc juste en faisant quelques allers-retours. Et ici, j'ai fait un petit aller-retour de 3 ou 4 fois pour faire donc le petit bracelet qui vient s'accrocher au collier. Ensuite, je suis venue coudre donc la queue, donc tout simplement en rond. Je ne l'ai pas ouatée parce que je n'ai pas trouvé ça nécessaire, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Si vous trouvez que le vôtre est un peu trop vide ou que voilà, il est trop creux, vous pouvez mettre un peu de ouate. Et évidemment, j'ai cousu aussi donc notre petit sac avec ces deux petites bonbonnières. J'ai cousu donc de la même façon que j'ai cousu les bonbonnières au sac. J'ai cousu donc les bonbonnières au corps, donc en aller-retour de la même façon. Je suis venue quand même faire quelques points ici et ici, et pareil de l'autre côté. Voilà, sur ce, nous avons terminé ce tutoriel. Il ne vous restera plus qu'à faire des petites tâches sur les jambes en vous aidant d'un modèle de Marcus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à vous remercier déjà pour toutes les vues que j'ai déjà obtenues grâce à vous pour la tête. Donc j'espère que la suite vous plaira tout autant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Sans oublier la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et du coup, des prochains pas de patrouille, parce qu'évidemment, je pense faire toute la collection. Et n'hésitez pas également à faire un tour sur mon Instagram où j'annonce mes prochaines vidéos, mes prochaines créations. Je mets plein de petites photos et c'est plutôt sympathique parce que tout le monde peut participer. Chacun peut me dire ce qu'il préfère, ce qu'il aimerait, et vos petites idées, etc. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.